Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle édition Hewar. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Nourdine Bensouda, le trésorier général du Royaume. M. Nourdine Bensouda, bonjour. Bonjour. Nous assistons aujourd'hui à la 15e édition du colloque international des finances publiques organisé par le ministère de l'Économie et des Finances, plus précisément par la trésorerie générale du Royaume et Fondafip. La thématique débattue aujourd'hui, c'est sur la quelle bonne gouvernance pour les finances publiques dans un monde multicrise. Il faut dire que ces dernières années ont été marquées par une succession de soubresauts, de crises sévères qui ont affecté les finances publiques. Elles ont également mis à mal les agrégats macroéconomiques à telle enseigne que l'on se demandait comment les pouvoirs publics parviendraient à honorer leurs engagements tels qu'ils sont élaborés dans les différentes lois de finances. Et il faut dire également que les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures justement pour y remédier, que ce soit en matière d'investissement, de rationalisation de la dépense publique, la réforme du secteur public, la substitution aux importations pour assurer la souveraineté, et j'en passe. Ces moments de crise sont certes difficiles à gérer par les économies, mais elles restent tout de même un moment crucial pour prendre des décisions durables et optimales. C'est l'enjeu d'ailleurs de la rencontre d'aujourd'hui qui réunit une pléiade d'intervenants, aussi bien économiques que financiers. C'est des profs universitaires, des analystes, des experts, des responsables de haut niveau. Donc, Monsieur Bensouda, en tant que trésorier général du Royaume, quel mode de gouvernance peut-on prévoir pour assurer justement une bonne gouvernance des finances publiques et permettre à l'État de répondre à ses besoins en tant que stratège, en tant que régulateur, et surtout répondre aux besoins sans cesse pressants de la population en temps de crise? Et dans le même sillage, je m'interroge, est-ce qu'il est temps de repenser le modèle de gouvernance actuel? Est-ce qu'il n'est pas devenu obsolète? Merci pour cette invitation et de me donner l'opportunité de discuter d'un sujet très, très actuel et très riche. Il est vrai que nous assistons à une multiplicité de crises. À la différence du XXe et du XIXe siècle, les crises étaient étalées dans le temps. Crise de 1929, la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, puis par la suite le choc pétrolier de 1973. Aujourd'hui, c'est cette simultanéité des crises qui rend difficile la gestion des finances publiques et des économies en général. Et cela me laisse penser que, effectivement, il y a de nouveaux concepts qu'il faut mettre en place, parce que les réponses que nous avions de la part des économistes dans le temps, c'est-à-dire la politique keynésienne, la politique libérale ou néolibérale, c'est-à-dire la politique du marché, aujourd'hui commence à être dépassée. Quand il y a eu la crise, par exemple, de la Covid-19, tous les États ont eu pratiquement le même réflexe. C'est de soutenir la population et de soutenir des entreprises, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire « whatever it takes », comme le disait Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. Et donc nous avons vu sur le plan des finances publiques une aggravation de la dette et des déficits qui augmentent. Mais de toute façon, il n'y avait que cette réponse. C'est-à-dire l'État était là pour assurer la stabilité du système. Aujourd'hui, pour penser les finances publiques, le modèle de gouvernance, il faut peut-être remettre les choses à l'endroit, essayer de voir d'abord quels sont les acteurs qui sont en jeu. Si les acteurs traditionnels tels que le Parlement, le gouvernement, le pouvoir judiciaire et le pouvoir de la presse sont connus, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a d'autres acteurs. D'abord, il y a ces multinationales qui sont de plus en plus puissantes et qui influent sur les décisions qui sont prises par le gouvernement. Il y a aussi l'influence des réseaux sociaux. Et donc, au niveau de la décision, qui est éminemment politique, il y a lieu d'essayer d'être agrégateur par rapport à ces acteurs qui participent à la décision pour essayer de trouver un équilibre d'un côté entre l'intérêt général, qui est l'intérêt de la collectivité, l'intérêt de la société, et les intérêts particuliers. Sur le plan de la gestion, les finances publiques ont emprunté beaucoup d'instruments outils au management privé, tels que le contrôle de gestion, la comptabilité d'exercice,
la performance, les indicateurs de performance. Mais parfois, on a remarqué que dans certains pays, ils ont considéré que l'usage de ces instruments était la réponse. Or, la réponse est d'abord politique au niveau de la décision, parce qu'il faut avoir une vision de politique économique et de politique tout court sur les choix stratégiques. Pour prendre, par exemple, pour le cas du Maroc, on a fait face à la crise Covid, c'est la Covid qui était la dernière, mais en même temps, il y a des réformes structurelles qui ont été initiées grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, c'est-à-dire un État qui prend en charge la collectivité et les citoyens en premier. La généralisation de la protection sociale, la santé, l'enseignement, les énergies renouvelables, tout ça font partie des priorités. Et donc vous allez me dire comment on peut financer tous ces chantiers-là. Justement, ce qui se fait ici et ailleurs, c'est de mettre sur la table tous les projets et essayer de les programmer en fonction des priorités qui sont décidées par le politique. Bien entendu, l'État joue un autre rôle. C'est celui d'inciter, d'encourager, d'engager aussi les opérateurs économiques. C'est-à-dire c'est un partage de rôle entre le public, qui est l'État, au sens large du terme, État, entreprise publique et collectivité territoriale, et de l'autre côté, les opérateurs économiques, les ménages, comme acteurs majeurs, et aussi ce qu'on appelle le tiers secteur, ou tout ce qui est coopérative, association, qui influe énormément et qui interviennent et qui participent. Et donc le rôle de l'État, c'est d'abord d'être intégrateur, agrégateur, et en même temps organisateur et régulateur. Vous connaissez les différentes institutions de régulation qui assurent la régulation dans plusieurs domaines, tels que les télécoms ou la concurrence entre entreprises. Et tout ça, c'est le travail de l'État. Mais le plus important dans cette démarche ou dans ce modèle de gouvernance qui est recherché ici et ailleurs, c'est d'insister sur la cohérence et la convergence des politiques publiques. Parce que la force est dans l'équipe. Et d'ailleurs, des réussites que nous avons eues au niveau du football, et je tiens à rendre hommage à l'équipe de football marocaine, l'équipe nationale, qui a réalisé un succès extraordinaire. C'est un modèle de gestion, c'est-à-dire on peut le multiplier, le dupliquer dans d'autres secteurs. Donc mon message, c'est de dire, quand on travaille collectivement avec le leadership nécessaire et l'organisation nécessaire, on peut dégager des marges de manœuvre pour notre collectivité. Justement, M. Bounsouda, vous avez parlé là tout de suite de certains instruments, vous avez parlé des indicateurs de performance, d'outils d'aide à la décision, de contrôle de la dépense. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il a été procédé d'abord à une évaluation de ces instruments, leur impact sur la gouvernance, avant de penser à d'autres nouveaux instruments? Alors, ces instruments sont des instruments de bon sens et qui reprennent des principes constitutionnels. Par exemple, quand on parle de l'égalité des chances, quand on veut le décliner sur un plan professionnel, on le décline par exemple par rapport à la fonction publique, le droit d'accès à la fonction publique, il faut qu'il y ait une transparence et une équité de traitement. L'égalité des chances, on peut la dupliquer sur le plan des finances publiques quand il s'agit de marché public, de donner la possibilité à toute entreprise de participer dans un environnement qui est transparent et juste. Un autre principe constitutionnel, celui de la reddition de comptes et de responsabilisation. Donc ce sont des principes que nous retrouvons dans le privé, mais que nous retrouvons dans la Constitution, que nous retrouvons au niveau de la loi organique des finances, et qui permet d'abord de dire que les deniers publics sont utilisés dans un objectif de performance, dans un objectif d'efficacité, de transparence, de qualité du service public. Et là, je dois insister sur la gestion du temps. Aujourd'hui, il est attendu des opérateurs, enfin des ordonnateurs tels que les ministères ou les collectivités territoriales ou les entreprises publiques,
non seulement de se conformer au règlement, à la réglementation en vigueur, mais d'aboutir ou de réaliser les projets qu'ils initient avec les meilleurs, je veux dire, dans les meilleures conditions, avec la qualité requise et dans les délais nécessaires. Parce que le citoyen attend le service public en matière de santé, en matière d'enseignement, en matière de transport. Donc c'est un peu, c'est un changement de paradigme, ou plutôt de mentalité, le mindset doit changer. On n'attend pas d'un gestionnaire uniquement de se conformer à la réglementation, mais de faire aboutir les projets pour que le service public soit rendu le plus rapidement possible, parce que la société attend beaucoup de ce service public. Très bien. Vous avez parlé de la loi organique des finances. Cette loi organique des finances, elle a été mise en œuvre. Elle a pour objet justement pour améliorer la transparence et la bonne gouvernance des finances publiques. À l'aune des récentes crises, quelle appréciation pouvez-vous nous faire de cette loi organique des finances? Et est-ce que les dispositions contenues dans cette loi, est-ce qu'elles ont été respectées ou est-ce qu'elles ont été mises entre parenthèses ou faisant l'objet de dérogations justement à cause des aléas de la crise? Alors, la loi organique des finances, pour rappeler un peu l'histoire, et justement dans le colloque on parle du dépassement des standards, quand on a voulu mettre en place le projet de loi organique des finances qui est devenu une loi, il y a la tendance naturelle, c'est de vouloir importer et mettre en œuvre, ce qui n'est pas du tout la bonne voie. Le Maroc a choisi de voir un peu ce qui se passe à travers le monde et d'essayer d'adapter sa loi organique des finances par rapport aux réalités du pays. Et donc, par exemple, pour la programmation, parce que c'est décliné en programme, en projet, ainsi de suite, nous avons essayé d'évoluer, mais sans déstabiliser. C'est-à-dire, c'est une évolution qui prend comme principe la transparence, la performance, et ainsi de suite, et en même temps de mettre des règles d'or. Ces règles d'or que nous retrouvons, par exemple, dans le pacte de stabilité européen, on avait ces règles d'or de 60% de dette par rapport au PIB et de 3% de déficit à ne pas dépasser. Ben, ça, c'est des principes de bonne gestion. C'est pour permettre de bien maîtriser la situation des finances publiques. Donc, c'est un emprunt, mais avec adaptation aux réalités. Et l'une des avancées, parce qu'il faut rappeler ce que c'est que la loi organique des finances, en fait, elle organise des pouvoirs. Elle organise entre l'exécutif et le rôle du législatif. On est dans le contrôle du Parlement, du travail de l'exécutif, pour que l'autorisation qui est donnée par le Parlement pour prélever les ressources soit respectée, que l'autorisation des dépenses par chapitre ou par département ministériel soit respectée dans les enveloppes qui sont admises. Et en même temps, c'est des choix stratégiques, parce que dans les discussions entre le Parlement et l'exécutif, on se met d'accord sur les budgets sectoriels, sur l'enveloppe qui est réservée à la santé, l'enveloppe à l'éducation ou l'enveloppe qui est réservée à l'équipement ou à l'agriculture, et ainsi de suite. Donc, d'un côté, on autorise un exécutif par rapport à une politique sur laquelle il y a une majorité gouvernementale, mais de l'autre côté, on doit veiller sur la bonne exécution. D'ailleurs, après 6 mois d'exécution, dans la loi organique des finances, il est dit que le gouvernement revient vers le Parlement pour lui parler de l'exécution de la loi de finances, pour permettre peut-être aussi d'initier une loi de finances rectificative, comme celle que nous avons vécue. Mais en même temps, et c'est ça un peu le changement fondamental en matière des finances publiques, c'est d'avoir des évaluations qui arrivent rapidement, qui permettent de corriger. Pourquoi ? Parce que la loi de règlement et aussi le délai a été raccourci. Pourquoi ? Parce que le monde évolue à une vitesse extraordinaire et on ne peut pas tarder à faire des évaluations plusieurs mois ou plusieurs années après. C'est déjà trop tard. Donc il faut corriger, voir si les choix qui ont été admis sont les bons et est-ce qu'il faut réorienter. Mais en même temps, il faut donner la possibilité au secteur privé de travailler dans un cadre de sérénité, de visibilité, et l'une des avancées en matière de loi de finances, projet de loi de finances 2023, c'est que le gouvernement
à donner une visibilité sur les 4 prochaines années, parce que, par exemple, en matière fiscale, et c'est une première, parce qu'auparavant, nous avions une visibilité sur la, c'est un peu la, l'application de la programmation triennale qui existe dans la loi organique des finances. Sur le plan des recettes, eh bien, en concertation avec le secteur privé, il y a une visibilité sur l'évolution de l'impôt sur les sociétés, il y a une évolution, une visibilité aussi de ce qui va se passer sur l'impôt sur le revenu, et puis les autres secteurs, c'est-à-dire les autres types de prélèvements vont connaître des évolutions. Mais tout ça, c'est la mise en œuvre de la loi cadre sur la fiscalité. Je n'ai cité que cet exemple, mais on peut citer d'autres exemples. Il y a aussi toute la réforme des entreprises publiques avec cette agence de participation. Donc, il y a une dynamique qui est enclenchée, il y a des choix qui sont faits, mais je tiens à dire que ce sont d'abord des choix techniques, ou plutôt politiques, et puis qui sont mis en œuvre par des instruments et des outils de gestion. Ces outils et instruments, tels que le contrôle de gestion, tels que l'évaluation, tels que la recherche de la performance, donnent plus de possibilités et de marge de manœuvre au gouvernement. D'accord ? Et c'est sur ça, ce sont ces marges de manœuvre qui permettent peut-être d'assurer une bonne continuité de l'exécution des finances. J'aimerais bien qu'on revienne à la programmation pluriannuelle ou triennale. J'aimerais bien savoir en fait jusqu'à quel degré cette programmation permet-elle d'améliorer la gouvernance des finances publiques. Alors cette programmation, elle permet par exemple à chaque département ministériel de savoir qu'est-ce qu'il va faire pendant les 3 prochaines années en termes de dépenses. Parce que comme vous le savez, un projet, il a un temps de maturité et un temps d'exécution. Cette programmation, elle permet à l'ordonnateur, qui est par exemple un ministère, de savoir ce qu'il va faire. Il permet aussi à celui qui l'autorise, qui est le Parlement, de lui donner cette autorisation et lui, je veux dire, ce département doit rendre compte au Parlement de l'exécution de cette politique sur laquelle ils se sont mis d'accord. Et en même temps, elle permet aux citoyens de savoir que, par exemple, tel centre hospitalier universitaire, il va être prêt dans une année, dans 2 années. Donc c'est un service public qui va se mettre en place, ou c'est un dispensaire, ou c'est une école, ou c'est une route nationale, tertiaire, etc. Donc tout ça, parce que je crois que tout un chacun a besoin d'avoir de la visibilité, parce que ça permet de soulager par rapport à la demande qui est attendue de la collectivité. Certes, le problème, comme on a dit, il est d'ordre financier, c'est surtout lié à la rareté des ressources financières. Face à ces contraintes issues des crises répétitives, de quels moyens disposent les pouvoirs publics, autres que financiers, pour parvenir à des équilibres aussi bien internes externe, tout en allégeant le risque sur les déficits jumeaux, budget et balance des paiements. Alors, il est des principes dans les finances publiques, c'est la nécessité de la dépense. La première action, c'est de savoir où doit intervenir, sur quoi doit intervenir l'État. Une fois qu'on détermine ce choix, après, il faut le financer. Sur le financement, il y a 2 manières de le faire. On se met d'accord sur les acteurs qui vont financer. Est-ce que c'est un financement privé total ou c'est un financement public total ou c'est un financement partagé, tel que les PPP, donc les partenariats publics-privés. Et donc nous avons tous les instruments. Donc ça, c'est qui va participer. Et c'est pour ça que je parlais de l'État organisateur. Il se met d'accord avec les partenaires économiques et sociaux de dire, moi, État, je vais prendre ça. L'entreprise publique va prendre telle partie d'un programme, par exemple énergétique. Les collectivités territoriales, et on aura parmi nos intervenants Sidriss Benhouima qui va nous parler de la décision territoriale et qui a besoin d'accompagnement sur le plan de la déconcentration, sur le plan des ressources humaines, sur le plan des dirigeants sur place et une administration de plus en plus professionnelle. Donc, une fois qu'on a mis ça en place, qui va prendre en charge chaque partie d'un programme? Après, il faut aussi s'intéresser au sein de l'État ou des collectivités territoriales qui sont là pour faire des prélèvements obligatoires, comment le faire et comment faire participer les uns et les autres. Et là, l'évolution des consciences et de la culture est fondamentale. Quand on s'inscrit dans une logique d'État,
quand on s'inscrit dans une logique de collectivité, tout le monde sait que la participation est nécessaire. Mmh. Elle est plus que nécessaire parce qu'elle est constitutionnelle. Chacun doit participer en fonction des facultés contributives. Et c'est là où il ne faut pas y avoir d'amalgame. Mmh. Parfois, il y a des réactions ici et là où les gens essayent d'éviter la participation. Mais en fait, la participation, elle est fondée sur un revenu ou un bénéfice. Pas de bénéfice, pas de participation, pas de revenu, quand on parle par exemple de salaire, il n'y a pas de participation. Une fois qu'on a compris ça, la chose devient facile pour tout le monde. Et c'est un peu le principe du consentement de l'impôt. Et ce consentement de l'impôt, comme vous le savez, parce que nous avons organisé aussi une conférence sur ça, il se fait par le biais de la représentation nationale, c'est-à-dire le Parlement, avec ses deux composantes, la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, qui viennent pour, dans le cadre démocratique, pour dire « nous accordons tel prélèvement » parce que tout prélèvement doit être autorisé par le Parlement. Donc finalement, nous sommes un pays qui est en train d'avancer, où la conscience avance que l'État a besoin de ressources, mais l'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui, d'un côté, nous participons, et de l'autre côté, comme retour, on a des infrastructures, on a des services de santé et autres, et c'est ça. Quand on a compris cette logique des finances publiques, toutes les choses deviennent faciles, à mon avis. D'accord. Parmi les thématiques qui seront débattues, il y a également l'intelligence artificielle. On aimerait bien savoir comment peut-on imaginer l'intelligence artificielle en matière de finances publiques et comment va-t-elle améliorer la gouvernance des finances publiques. Alors, nous avons la chance d'avoir l'ancien ministre de la Culture et ministre aussi qui était au commerce et industrie et du numérique. Il va nous entretenir sur l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, pour ne prendre que l'État et les collectivités territoriales, elle va apporter un plus en termes de ressources, apporter un plus en termes de dépenses. Je vais commencer par les dépenses. Par exemple, nous, à la Trésorerie Générale, nous avons initié en mai et aussi en novembre deux assistants virtuels. Ces assistants virtuels, l'un, c'est pour le dépôt électronique des factures des entreprises que nous avons mis en place pendant la période de Covid. Et nous avons aussi mis en place un assistant virtuel sur l'utilisation du portail des marchés publics. En d'autres termes, plus simplement, au lieu d'avoir un call center où il y a des opérateurs qui vous répondent par rapport à comment on doit gérer, comment on doit utiliser ce service-là, vous avez 24 sur 24, 7 sur 7, un chatbot, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui répond, un robot, et qui vous répond par rapport à la question. Et il y a une sorte d'évolution. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure, c'est un apprentissage, il apprend. Au fur et à mesure des questions, on améliore. Et plus on améliore, on agrandit, parce que l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est sa capacité à avoir un maximum d'informations et à les traiter dans un temps réduit. Donc tout ça, vous allez me dire, en quoi ça apporte ? Eh bien, au lieu de demander, par exemple, des postes budgétaires importants en début d'année pour faire un travail qui peut être fait dans le cadre de l'intelligence artificielle, on peut demander des postes budgétaires pour les utiliser dans un autre travail. Ça ne veut pas dire que le robot va remplacer les êtres humains, mais c'est les métiers qui changent. Et donc, il y a des métiers qu'on peut confier à l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle avance. Et c'est la même chose au niveau de la recette. Quand vous avez, par exemple, une information sur le comportement par un clic sur le comportement au moment de la collecte d'une recette, vous avez une idée sur les échéances. Nous avons une idée précise, c'est que généralement les gens payent à la dernière minute. Donc vous pouvez même programmer votre trésorerie, savoir ce qui va rentrer. Est-ce que ça vous permet aussi, est-ce que vous allez aller emprunter en attendant par le biais des adjudications que nous faisons chaque semaine? Donc vous voyez un peu l'apport de l'intelligence artificielle qui permet une gestion plus efficace et dynamique, mais complémentaire à l'intelligence humaine. D'accord. On parle également de l'impératif de la bonne gouvernance lorsqu'on parle des investissements publics qui, comme vous le savez, nécessitent chaque année des budgets colossaux, mais qui, in fine, se soldent par des rendements dérisoires.
Quel commentaire pouvez-vous nous faire à ce sujet et comment peut-on remédier à Alors la là, peut-être il situation? faut apporter une nuance parce que quand on prend l'investissement public, il y a l'investissement public qui est réalisé par l'État, il y a l'investissement qui est réalisé par les collectivités territoriales, il y a l'investissement qui est opéré par les entreprises publiques. Et dans cette ligne, c'est une question aussi de temps. L'investissement fait par l'État, quand on donne les budgets au département ministériel, il y a la capacité d'exécution. Donc il y a ceux qui utilisent les budgets à 90%, il y a ceux qui sont à 80%. Et justement, le rôle de la trésorerie générale, c'est d'essayer de faciliter la tâche à ces ordonnateurs pour qu'ils exécutent le plus rapidement, parce que si on a alloué une enveloppe, c'est pour l'exécuter et c'est pour assurer un service public. Il en est de même au niveau des collectivités territoriales. Pour les entreprises publiques dans la ligne investissement, c'est plutôt un transfert aux entreprises publiques. Et ce transfert, comment il est mis en place au niveau de l'entreprise, il peut prendre une année, 2 années. Donc il faut rapporter l'investissement public par rapport à son exécution pour avoir la vraie vision sur le retour sur investissement. Donc tout ça, à mon avis, c'est une question de capacité de gestion et de délai d'exécution, et qui permet d'avoir un retour sur les investissements qui sont mis en place. Mais encore faut-il, en dehors du délai d'exécution ou bien de l'exécution du budget à 100%, il faut qu'il y ait un service de qualité pour le citoyen. Justement, est-ce qu'il y a des indicateurs de performance pour assurer le suivi de ces services? Justement, dans les modèles ou dans le modèle de gouvernance sur lesquels réfléchissent ou sur lesquels que les pays pratiquent, c'est l'évaluation rapide. C'est cette évaluation, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur l'exécution et sur l'efficacité de cette De dépense. la dépense. Cette évaluation, c'est un outil de pilotage qui vous fait une remontée d'informations. Et il y a d'abord l'évaluation qui est faite en interne, mais aussi les évaluations qui sont faites en externe, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Parce que nous sommes dans un monde qui est globalisé et tout, j'allais dire, nos balance sheets, c'est-à-dire tous nos états financiers, et c'est pour ça que la comptabilité générale est intéressante, que nous avons mis en place au niveau de De l'État l'État. et au niveau des collectivités territoriales. Elle vous permet d'avoir une idée exacte de ce que vous avez dans vos comptes. Juste une dernière question avant de clore cet entretien, c'est par rapport au budget prévisionnel qui table sur une croissance de 4,5% pour 2023. Après une année 2022 marquée par plusieurs contre-performances, quel est votre avis sur cette question? Ben écoutez, finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le comportement de nos ressources humaines. Quand il y a l'ambition, quand il y a de l'énergie, quand il y a la volonté, et les budgets sont là, et quand il y a une conscience qu'il faut réaliser ces objectifs, moi je reste quand même optimiste en disant, en travaillant ensemble, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, État, collectivités territoriales, entreprises publiques, opérateurs économiques. Et nous avons eu un bel exemple de travail de concertation entre les opérateurs privés et le gouvernement, et qui a pu accélérer un certain nombre de réformes. Et celle aujourd'hui qui est en place, c'est cette question de la généralisation de la protection sociale que nous saluons et qui va apporter beaucoup de choses pour nos concitoyens. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bensouda, pour vos réponses. Je vous remercie. Je rappelle, Monsieur Bensouda, vous êtes trésorier général du Royaume. Merci. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.